morning from my salle de bain et bienvenue dans un nouveau weekly vlog où on va déjà commencer par essayer d'arranger ça. On est lundi matin, il est 8h48 et je viens d'aller déposer le petit à l'école. J'ai meeting dans 12 minutes et le matin en hiver, ce qui est bien, c'est que j'arrive à camoufler un peu la misère avec un béret ou un bonnet. Cependant, quand je rentre, j'essaye de démêler ça un petit peu. Ce matin, j'étais particulièrement en forme parce que j'ai réussi à me doucher et à un petit peu me maquiller avant d'aller conduire Adam à l'école, ce qui n'est pas le cas tous les jours. Confidence pour confidence. Parfois, je ne me lave pas avant d'aller à l'école. J'enfile une tenue, la première qui vient comme ça, et je me douche après. Et ça, ce sont les avantages du télétravail, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je me lave quand même. Mais là, particulièrement motivée ce matin, j'ai eu le temps de me doucher, de me maquiller. Mais alors, si vous voulez en entendre une bien bonne dès la première minute de vlog, c'est que, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai que du mascara, j'ai mis du gel dans mes sourcils et j'avais juste mis du concealer sur mon nez parce que j'ai des points noirs et j'ai pas que ça se voit. Donc je m'en fous du reste, mais je mets toujours un petit peu de anti-cerne, voilà, de concealer sur mon nez. Et c'est après avoir déposé Adam à sa classe et sur le chemin du retour que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas estompé. Heureusement, personne ne m'a parlé de près, par sa prof quand même. Moi, personne ne m'a rien dit. C'était un look, écoutez, j'avais le nez un peu concilé et le reste pas. Voilà, donc sur le chemin, voilà, c'était déjà la blague du jour dès le matin, mais je vais arrêter de babeler parce qu'il faut quand même que je rafraîchisse un peu cette touffe avant d'aller me mettre à mon ordinateur. J'ai pas vraiment un bon angle hein, pour vous montrer ça, mais j'essaie de boire religieusement mon collagène tous les jours. Je fais à l'œil, mais elle a le shaker dans l'œil, hein, la madame. Je voulais vous faire un point collagène M, justement. Ça fait déjà plusieurs fois que je mentionne sur Instagram que je consomme du collagène. J'essaye d'en consommer tous les jours et donc je me suis tournée vers la marque M parce que mon amie Marielle du blog de Neroli, décidément je vais la mentionner dans tous mes vlogs, le recommande chaudement. Et j'avais testé, attendez, j'en coupe la boîte ici, le Pink Glow qui est rose et qui contient du collagène marin, du magnésium, du bambou, du sélénium. Et j'avais pris les trois boîtes avec 10 sticks, je crois. Non, 5 sticks. Bon, je sais plus, mais j'en avais pour quelques jours, 15 jours, je crois. Parce que Marielle l'aime beaucoup, le Pink Glow. Moi, je trouvais que ça sentait très fort le poisson. Le collagène marin, comme son nom l'indique, ça vient de poisson. Il y a du collagène bovin, du collagène marin. Et j'ai vraiment le nez sensible. Et même dans un café, je sentais... Mon café avait un petit peu le goût de la mer. C'était pas hyper fort, mais c'était là quand même. Et franchement, ça rendait pas la consommation très agréable. Sur leur site, ils ont aussi mocha, matcha, café, je sais plus. Enfin, il y a plein de goûts. Mais moi, je cherchais vraiment quelque chose qui n'avait pas de goût. Et vient de sortir le collagène glow, tout simple, neutre justement, collagène marin, vitamine C. Et du coup, j'ai pris le gros pot, c'était un peu plus économique que de reprendre des sachets. Et je dois dire que même si en ouvrant la boîte, il y a une légère odeur, dans le café, il n'y a aucun goût, aucune odeur. Donc, si vous êtes intéressé par le collagène et que vous ne savez pas trop et que vous avez peur justement que ça ait un goût, ben, le collagène glow, vraiment le tout simple, avec le pot blanc, d'ailleurs je crois qu'il est mis goût neutre, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur dans le café. Je le consomme que dans le café, je peux pas vous dire dans un verre d'eau, mais en tout cas, ça c'est en général mon deuxième café de la journée. Je me fais un grand latte, ça passe hyper bien. Je le mets justement dans un tumbler isotherme, comme ça je le garde assez chaud, mais il est conseillé de le boire rapidement, le collagène, il ne faut pas boire ça sur 6 heures. Je suis particulièrement enchantée de voir que mon seul cierge, la seule bougie que j'ai achetée en déco est constamment de traviole parce que mon fils n'arrête pas d'y toucher. Mom life. Ma journée a déjà été chamboulée parce que je vous disais au début du vlog que j'avais des meetings et que ça commençait dans 10 minutes et qu'il fallait que je me grouille. Et quand j'ai allumé mon ordinateur, le collègue qui avait mis le meeting lundi 9h du matin l'a déplacé à 15h30. Tant mieux, tant mieux. Mais j'imagine le mec qui se lève ce matin et qui se dit « Ah non, vraiment, je peux pas. »
modifié. I feel you, mon ami. Donc, ça veut dire que j'ai un petit peu plus de souplesse parce que je ne dois pas être dans des meetings parce qu'il y en a un autre qui est annulé. Ça, c'est vraiment, dans mon job, ça, ce n'est que ça. Des meetings qui se mettent et qui s'annulent et qui se déplacent. Donc, c'est assez imprévisible aussi au niveau de l'organisation de la journée. Mais là, je vais devoir faire un petit crochet par le boulot de mon mari parce que ce matin, il est parti sans son badge et s'il n'a pas son badge de travail, il ne peut pas accéder à tout. Son ordinateur de travail. Du coup, j'ai proposé de lui amener, vu que mes meetings se sont annulés, j'ai un petit trou dans mon horaire et je peux faire l'aller-retour. J'en ai pour 10 minutes aller, 10 minutes retour, ça devrait pas prendre trop de temps, sauf si toutes les voitures de Bruxelles ont décidé de sortir au même moment, ce qui n'est pas impossible, vu qu'on est à Bruxelles. Je crois que je vais faire ça maintenant, je vais un peu checker sur Waze le trafic, mais si ça me dit que c'est bon, je vais y aller maintenant, et ensuite revenir travailler, bien sûr. Et si j'ai un petit peu de temps dans la journée, je vais essayer de ranger les jouets du petit, parce que là, au moment où je vous filme, on est le 11 décembre. Saint-Nicolas vient de passer. Dans 15 jours, c'est Noël. Et je sais qu'il va encore être bien gâté. Donc, ce que je fais en général, c'est que je fais un rangement, un tri. Je mets à la cave. Il y a des trucs avec lesquels il joue plus. Je fais des rotations aussi. Donc, je vais peut-être essayer de faire ça. Parce que là, je vois que son coin jouet... Je vais montrer. Je vois que son coin jouet est un petit peu en fouillis. Alors là, je pense qu'on a été optimiste en achetant une trop fast... Le meuble là, juste avec trois cases, on va dire. Je pense qu'une extension ne serait pas de trop. Hein. J'ai acheté par contre ce truc là, je ne le recommande mais absolument pas. Je vous jure, je suis fan d'IKEA. Hein. Vous pouvez voir que quasiment tout chez moi vient d'IKEA. Mais alors, ce truc là, je trouvais que ça allait être trop bien pour mettre des nounours. Bon là, il a des ballons. Mais ça a été une tannée à monter, les amis. Je n'ai jamais eu autant de mal avec un si petit truc. Et en plus, IKEA, d'habitude, c'est assez simple, je trouve. Mais là, vraiment, l'enfer. Et franchement, ça n'a pas l'air d'hyper bonne qualité. C'est tout de travers, je veux dire. C'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, je ne recommande pas. Et je crois qu'il va être temps d'acheter un nouvel arbre à chat ou deux poilus parce qu'ils font la fête à celui-là. Mais le truc, c'est que chaque partie devait être vissée avant de visser la prochaine. Et sauf que là, j'ai un peu peur pour leur survie. Je ne sais pas si je sais juste revisser une partie. Voilà, c'était le questionnement du jour. Je vais en profiter pour ouvrir mes stores pour vous montrer le magnifique ciel belge. Voilà. Je ne sais pas comment il fait là où vous vivez, mais sachez que l'automne en Belgique, c'est la saison de la dépression. Soit il fait comme ça, soit il pleut. Et aujourd'hui, il va pleuvoir et faire gris. Donc... Avant de partir pour le boulot de mon mari, je vais quand même faire un rapide rangement de mon bureau. Comme ça, quand je rentre, je n'ai plus qu'à me mettre parce que entre le linge qui sèche, les vestiges des papiers cadeaux et tout ça, parce que c'est la fête et que tous les anniversaires de nos deux familles sont en décembre, et juste le bazar général de mon bureau, je ne sais même plus passer. Donc je vais vite faire un rapide rangement, vite, rapidement, voilà. Et ensuite, j'y vais, je pense. Me voilà de retour chez moi et à mon bureau. Voyons voir si j'ai des nouveaux mails. J'ai une réunion à midi. C'est bien. Tout, alors là, tous mes meetings de ce matin ont été annulés. Tant mieux, parce que du coup, j'ai pu faire l'aller-retour. Petit snack d11h. Est-ce sérieux? Non. Mais bon, je suis passée maître dans l'art du cake sans gluten. Et par là, je veux bien entendu dire que j'achète des cake mix et que j'y ajoute ce que je veux. J'en trouve chez Deleuze, pour les Belges. Il n'y a plus qu'à ajouter des œufs et du beurre. Parfois j'ajoute des pommes, parfois j'ajoute des pépites de chocolat, comme aujourd'hui. Du coup, ça me permet de faire une update sur ma situation sans gluten, parce que je pense que dans le premier weekly vlog, je vous en avais parlé. Eh bien, écoutez, ça fait depuis mi-octobre, plus ou moins. Je crois que ça fait bien 2 mois maintenant que je fais vraiment, vraiment attention. Et la différence est flagrante. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas ce que je dois dire. Heureusement, parce que si ce n'est que ça, et ce n'est que empirique, hein, pour le moment, ce n'est qu'une constatation empirique. Donc ça voudrait dire que mes infections chroniques seraient dues à une intolérance ou une allergie au gluten. Maintenant, j'ai pas été malade toute ma vie, non-stop, sans répit, donc, alors que j'ai toujours mangé du gluten, donc un peu difficile de se faire vraiment un avis. Et malheureusement, parce que ben, y a rien à faire, même si on est presque en 2024 et qu'il y a beaucoup d'options maintenant et beaucoup plus de conscience aussi du sans gluten, et donc c'est facile de trouver des pâtes sans gluten, du pain sans gluten. Ça n'empêche que, un, c'est un budget, et deux, il faut toujours faire attention. Au quotidien, ça ne me pose absolument aucun souci. J'ai juste arrêté de manger de la pizza. Je me suis pas encore penchée sur le cas des pizzas sans gluten. Je vous avoue que, voilà,
m'a pas spécialement intéressée. Les pâtes, j'achète sans gluten, le pain sans gluten, et je me demande si je vais pas m'acheter une machine à pain, parce qu'en fait, quand je regarde le prix, et quand je vois le prix d'un pain sans gluten, qui est quasiment de 5 euros, pour un petit pain, je me demande si je ne le ferai pas moi-même. C'est quand même une update positive, hein, parce que depuis que j'ai arrêté, je ne suis plus retombée malade sinusite, hein, j'ai plus eu de sinusite vraiment très infectée très coriace qui nécessite des antibiotiques, donc ça c'est une bonne chose. J'ai eu une petite rhinopharyngite il y a quelques semaines, bah voilà, les virus de l'hiver, j'ai envie de dire, sont là, hein. Mais ça a duré 2 jours. Je me suis sentie vraiment patraque, voilà, j'ai eu un peu mal à la gorge, un peu très encombrée. J'ai pris 2 jours de certificat médical, je me suis reposée, j'ai vraiment fait, voilà, nettoyage de nez, spray pour la gorge et tout ça, et c'est parti. Et pour moi, c'est exceptionnel, parce que à chaque fois que j'attrape quelque chose d'habitude, ça se transforme en infection au niveau des sinus. Donc là, victoire. Par contre, il y a 15 jours environ, le crawler n'avait plus rien dans les placards. Il me dit, écoute, il me reste un paquet de pâtes normales. Est-ce que ça te dérange si on fait pour une fois des pâtes normales? Et non, je dis, bah, c'est pas pour une fois, c'est pas pour un écart, c'est pas grave. Donc j'ai mangé des pâtes ce soir-là et le lendemain matin, du cougnou, de la brioche en fait, la brioche de Saint-Nicolas. Eh bien, autant vous dire que pendant 2 jours, je l'ai payé parce que là, j'ai eu la barre dans les sinus. J'étais à nouveau prise du nez, et mouchée, tout le tralala, et voilà. Action-réaction, je pense que du coup c'est assez clair et assez triste de ne pas pouvoir manger de cougnou, je dois vous avouer. Mais comme je dis à tout le monde qui a beaucoup de pitié pour moi, s'il faut que j'arrête le gluten pour ne plus être malade comme ça, honnêtement je le fais. Il n'y a même pas de question pour moi, c'est tellement désagréable d'avoir toujours des infections ORL que je m'en fous de ne plus manger de pâtes normales de ma vie en fait. Si le résultat c'est d'être en meilleure santé, je prends. Voilà, donc cake sans gluten. J'allume la caméra pour tenter de vous faire écouter. Vraiment le bruit des perceuses et des marteaux-piqueurs, c'est insupportable. Ça faisait quelques jours, hein. Je me plains, mais depuis le dernier vlog, il y a quand même eu une période de calme. Ma prochaine réunion est dans un quart d'heure. Je vais donc en profiter pour faire ce petit tri dont je vous parlais, parce que sinon, réunion plus réunion plus réunion égale il est temps d'aller chercher le pied à l'école et je n'aurai rien rangé. Je me demande si ça vaut la peine de lui remettre ses magna tiles, par exemple, là-dedans, parce que c'est vrai que c'est embêtant de ranger tout le temps. Alors je lui mets dans un tiroir. C'est peut-être plus sympa comme ça. J'espère que vous kiffez quand même cet angle où vous apercevez mes magnifiques chaussettes Décathlon bleu électrique, là, bleu turquoise, avec mon gilet rose et avec mes pantoufles fourrées. Peut-être que vous apprécierez le style, mais en sachant que je travaille de la maison, j'ai quand même un jeans. Bon. Je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire un créneau en une seule manœuvre. Et depuis que je vis à Bruxelles, en fait, la majorité du temps, je dois faire un créneau à gauche. Ce que je ne faisais jamais avant, ce que je ne savais pas faire tellement je n'en faisais jamais. Et maintenant, c'est plus facile pour moi de les faire à gauche qu'à droite. Comme quoi, c'est vraiment une question d'habitude. Par contre, vraiment, c'est... Me déplacer dans mon petit carré là, de quartier en voiture, c'est tellement pas... Alors une chose est sûre, c'est que cet hiver ou début du printemps, je vais m'acheter un vélo et mettre un siège enfant dessus. Mon mari s'en est acheté un il y a quelques mois, mais c'est un très grand vélo cargo avec assistance électrique. C'est pour aller au boulot. Moi, je vais pas prendre un truc aussi gros, mais je vais prendre un vélo pour pouvoir faire les petits trajets plus facilement parce que la voiture, c'est stressant en fait, parce qu'il y a tellement de circulation qu'il faut prendre le temps en compte, les gens en compte. Mais c'est vrai que, vu le temps, c'est quand même compliqué de faire sans voiture. Possible, mais un petit peu plus compliqué, un petit peu moins gai au niveau corporel. Là, il est 16h40, je viens d'aller rechercher Adam à l'école et le déposer chez la psychomotricienne relationnelle, qui est une personne qui le voit depuis le mois d'avril, je pense, notamment pour l'aider à gérer ses émotions. Pas gérer dans le sens embouteillé, hein, gérer dans le sens accueillir et comprendre, parce que voilà, c'est un petit garçon de 4 ans et demi qui a vécu, comme vous le savez, un chamboulement assez intense, hein, l'année passée, pendant notre expatriation.
rapatriation en Belgique, mais pour lui c'était une expatriation, vu qu'il est né aux États-Unis. Et du coup, on a décidé de l'inscrire, on va dire, à des séances de psychomote. Et pas seulement psychomote pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Et franchement, ça lui fait du bien. Là, on est sur une base de une fois tous les 15 jours, donc c'est le lundi après l'école. Avant, c'était le mercredi à 7h du matin, et je dois dire que... Non, 7h30 du matin, et je dois dire que c'était peut-être plus facile le mercredi à 7h30 du matin que... le lundi à 16h30. Tout simplement parce que c'est extrêmement rare que j'ai terminé de travailler à cette heure-là, à 4h. Donc je dois un petit peu filouter, hein, déplacer mes meetings ou bien couper court, tout simplement. Ou les prendre depuis la voiture. Fait comme on peut. Voilà, tout ça pour dire que 16h40 et à 17h15, je dois déjà être à nouveau là-bas. Mais heureusement, c'est en haut de ma rue. Donc en fait, je vais le chercher en voiture parce que c'est un petit peu plus commode. Non, ça c'est en espagnol. C'est un petit peu plus confortable, mais après, je vais le chercher à pied. C'est littéralement 4 minutes à pied. Donc, je rentre, je vais manger un petit snack et terminer avec ses jouets, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et après, la journée sera déjà pas mal. Et au soir, je vais au Pilates. Très bonne chose, très contente. Je me suis inscrite à un cours de Pilates il y a quelques semaines et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je suis très contente de ces cours, mais les journées du lundi sont très longues. Très longue. Que va nous réserver le reste de la semaine, mes amis? Voilà, je sors du Pilates. Et alors, ce qui est très gai, c'est que j'habite littéralement à 45 secondes à pied, je crois. C'est vraiment à l'autre bout de ma rue. Donc, aucune excuse pour ne pas y aller. Sauf cas de force majeure, bien sûr. Mais là, on voit mon sapin. Donc, c'est très agréable de pouvoir y aller en 2 minutes. Hey, on est mercredi. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas eu de contenu sur le mardi, c'est parce que ma vie est une vaste blague apparemment, et depuis lundi, je n'arrête pas d'enchaîner les bêtises, les accidents, j'en sais rien. Lundi matin, quand je vous ai dit que j'allais vite ranger mon bureau avant de passer par le boulot de mon mari, je voulais pas montrer parce que c'était pas en train de filmer, mais j'ai fait tomber mon appareil photo. Et le café, qui était dans son tumbler que je vous avais montré là, et... Mais si ça te dérange que je filme, tu me le dis. Ah, d'accord. Heureusement, le café était dans un tumbler fermé et pas dans une tasse, mais la petite languette qui ferme le truc s'est quand même cassée, donc il y a quand même eu du café à terre. Et alors, je ne sais pas si mon appareil est juste en fin de vie, mais je trouverais ça quand même ahurissant, hein, parce que je ne l'ai pas non plus depuis 18 ans, ou... si c'est la chute, mais il ne tient absolument plus une charge. Et là, je l'ai branché parce qu'il peut fonctionner en étant branché sur le secteur. Et hier, en fait, à chaque fois que j'essayais de prendre la caméra pour vous raconter mes déboires, ça m'était battery exhausted, épuisée. Elle en peut plus. Donc, est-ce que c'est juste un problème de batterie? Malheureusement, je n'en ai pas de deuxième, donc je ne peux pas faire le test. Est-ce que c'est la chute qui l'a tellement secoué qu'il est en PLS? Je ne sais pas, mais toujours est-il que, du coup, hier, c'était impossible pour moi de filmer quoi que ce soit. Et c'était bien dommage parce que j'ai eu une mésaventure encore. Donc je vous ai fait un mini clip là où je ferme le coffre de ma voiture pour vous montrer que j'avais fait des grosses courses et j'avais envie de vous dire, bah je vais pas vous faire un... Mais Gina, t'es sérieuse? Ouais. Je disais, je ne vais pas vous faire un retour de course parce que ce serait trop long et le vlog va déjà être long. Et en rangeant ma cuisine, je suis tombée sur un sachet de pommes de terre qui avait été oublié et qui avait pourri et qui était tellement pourri qu'il avait commencer à se décomposer avec tout le jus de pommes de terre. C'est dégueulasse. Je vous jure, franchement, j'ai jamais senti un cadavre, mais je suis quasiment sûre que ça sent aussi mauvais. Franchement, c'était putride, et c'est le cas de le dire. Et j'en ai eu tellement des haut-le-cœur, j'ai cru que j'allais... Vous voyez, ma vie est un sketch. Donc, entre le fait que hier j'ai bossé, fait les courses, nettoyé le jus de patate, et après, madame de ménage vient le mardi après-midi, donc je ne vais pas filmer pendant qu'elle est là. Ça nous amène à aujourd'hui, mercredi matin, et je suis très contente parce que mon meilleur ami vient faire du télétravail près de moi. Je pense vous l'avoir déjà montré dans un autre vlog, mais maintenant que le Crowley travaille dans un bureau en présentiel toute la semaine, il fait plus jamais de télétravail, et du coup, dans notre pièce bureau slash buanderie, j'ai deux magnifiques bureaux, et je suis seule toute la journée, toute la semaine. Ça me change vraiment après 3 ans et demi
presque 4 ans où il a été en télétravail. Et du coup, mon meilleur ami vient de temps en temps télétravailler près de moi. Et on est chacun sur notre bureau, on travaille. Voilà, ça fait un peu de compagnie. Vous le voyez peut-être derrière moi depuis tout à l'heure, mais je vais ouvrir ma case du calendrier de l'Avent Léonidas, offert par ma meilleure amie Hélène, qui me connaît très bien. Franchement, je suis pas sûre qu'on m'a déjà offert des calendriers de l'Avent. Je trouve que ça reste très axé enfant, ou alors on part dans les calendriers soins, maquillage et tout ça. Et ça m'a fait hyper plaisir quand elle me l'a offert. Aujourd'hui, on est sur une praline chocolat noir. J'espère pas avec de l'alcool dedans. Noir de noir. Très bon. C'est un bébé de 10 ans, ça. Vous vous rendez compte? Je ne sais même pas pourquoi je vous dis comment mes journées sont censées se dérouler, parce que rien ne se passe comme prévu. Mon meilleur ami a eu un imprévu et il n'est pas venu travailler près de moi. Du coup, rien de bien particulier à vous raconter aujourd'hui. Travail. J'ai des rendez-vous à prendre. Mais bon, ça c'est de l'administratif, je vais pas filmer ça. Et non, quand même, je dis que je n'ai rien de bien excitant à vous montrer, mais est-ce que vous voyez comme moi le haut de mes cheveux, là, le haut de la mèche que j'ai colorée, qui est violine? Ou est-ce que c'est moi qui hallucine? Parce que j'ai pris mon téléphone, là, et j'avais vraiment l'impression que ça se voyait fort. Maintenant, sur l'appareil photo, peut-être moins. Là, vous voyez que la mèche décolorée, elle commence là. Depuis septembre l'année passée, ça a bien fait son petit bonhomme de chemin. Et d'habitude, je fais jamais remonter la couleur parce que je me dis, ça sert à rien. Ça prendra pas du rose comme ça sur les cheveux foncés. Et en fait, est-ce que le résultat n'est pas un petit peu discret, mais un petit peu violine quand même? Je suis en train de remettre toute ma vie en question. Je suis en train de me dire que je vais acheter 3 boîtes de Lime Crime et faire toute ma tête. Et alors, j'ai des grands délires dans la vie. C'est que, vous le savez, j'ai un piano. Je l'ai rapatrié d'ailleurs. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, c'est la seule grosse chose que j'ai ramenée de New York. Impossible de partir sans mon piano. Je joue du piano depuis que j'ai 9 ans. Mais c'est un bien grand mot. Parce que je ne prends plus de cours depuis que j'ai 16-17 ans. Donc ça veut dire que j'ai toutes mes années de piano derrière moi, mais elles sont bien derrière moi. Sauf que de temps en temps, je me prends un délire et j'ai envie d'apprendre un nouveau morceau toute seule, avant éventuellement de reprendre des cours. Et là, je me suis prise d'envie d'apprendre Je te laisserai des mots de Patrick Watson, qu'on entend tout le temps sur TikTok, qui est magnifique. J'ai trouvé la partition, donc on va tenter de déchiffrer ça. Ce qui est bien quand on est sur l'avenue et qu'on est au 5e étage et qu'on est devant un square, c'est qu'on voit le bus arriver. Sauf que je voulais le prendre, ce bus. Hello les biches, on est jeudi, je suis en congé et je souffre d'une maladie très très grave qui s'appelle time blindness. Donc quand j'ai du temps, bah, je mets 3 heures à m'apprêter parce que je fais plein de trucs en même temps. Là, je vais manger à midi avec mon meilleur ami dans le centre de Bruxelles. Il est 10h30 et je voulais aller faire du shopping avant. Et je ne sais pas pourquoi, je me rends compte maintenant qu'il est 10h30. Et il y a un sommet européen à Bruxelles aujourd'hui, bien sûr, sinon ce n'est pas marrant. Donc il y a encore plus de circulation que d'habitude, donc je voulais aller en bus. Sauf que il vient de passer. Et le prochain est genre dans un quart d'heure. Donc maintenant, je me demande si je vais pas plutôt inverser mes plans, faire ce que je voulais faire après-midi au matin, et j'irai voir les deux magasins que je veux voir après le lunch. Je voudrais juste aller faire un tour chez Uniqlo et chez Kiabi. Je vais jamais choper chez Kiabi parce que il y a un magasin près de chez moi et il est tout le temps en fouillis, mais c'est poire. En ligne, je trouve ça aussi assez compliqué. J'ai vraiment besoin d'essayer les vêtements. Mon corps a vraiment changé depuis la grossesse et je peux plus me fier à juste une taille en fait. J'ai essayé de commander sur Zalando il y a quelques semaines et j'ai renvoyé 80% de ce que j'avais commandé. Entre le fait qu'ils envoient des mauvaises tailles, donc pas la taille que j'avais commandée, ou le fait que je prenne du 38, du 40, du 42, selon les marques, rien ne va.
la galère. Donc, il y a un Kiabi et un Uniqlo dans un centre commercial tout juste dans le centre de Bruxelles. J'irai après le lunch, du coup. Ce matin, je pense que je vais, du coup, enlever ma banane et filmer une vidéo qui sortira peut-être avant ce vlog. Et me voilà de retour. Je n'ai pas du tout filmé quand j'étais dans le centre de Bruxelles avec mon ami, ni quand j'ai fait les magasins, parce que, bah, déjà, quand je suis avec les gens, j'aime bien vraiment profiter sans faire des plans. Et honnêtement, on est allé luncher pendant son temps de midi. Lui, il travaillait. Moi, je suis en congé, comme je vous ai dit. Donc, voilà, ça n'a pas duré non plus des heures. On n'a pas été dans un truc fancy. Mais par contre, c'était sympa. Ça s'appelle Foodmaker. C'est en plein centre de Bruxelles, du côté du Mont des Arts. Donc, si jamais vous venez visiter Bruxelles, c'est fort possible que vous passiez par le Mont des Arts. Et... tomber mon béret. C'est un genre de salade bar où vous composez votre bol. Il y a des soupes, il y a du chaud, du froid, des boissons, des desserts, bien sûr. Et c'est mignon. Les prix sont corrects pour Bruxelles. C'était une dizaine d'euros avec boissons. Il y a des plus petits bols pour genre 6-7 euros et des plus gros bols pour genre 9 euros. Après avoir vécu 6 ans à New York, rien ne me paraît cher, j'ai envie de vous dire. Je ne sais plus si j'ai commencé ma phrase en disant d'une part, mais d'autre part, je ne filme pas non plus, en général, quand je suis avec des gens ou dehors de trop, parce que j'aime pas filmer les gens, justement. Je n'ai pas envie que les gens aient l'impression que la caméra est dans leur visage, qu'on est vraiment en train de les filmer, et moi-même, ça me dérange d'avoir des clips avec vraiment le visage des gens en pleine poire, comme ça. Qu'est-ce que t'as à dire ? C'est un chat maltraité. Donc dans les magasins, autant vous dire que c'est vraiment galère. Franchement, pour un jeudi début d'après-midi, il y avait pas mal de gens, mais ça allait encore. Je pense que ça aurait été plus agréable en allant au matin, mais c'était pas la cohue. Et d'ailleurs, mention spéciale au Ici Paris XL, juste derrière la Grand Place, qui est un magasin où honnêtement, j'aurais jamais mis les pieds en temps normal. Là, c'est vraiment parce que je passais devant et parce que ma copine et agente Lola a parlé sur un de ses TikTok du fond de teint qu'elle utilise, qui est le Clarins Skin Illusion, que je venais de tester en vraiment miniature, et je me suis dit, oh, il a l'air sympa. Elle a dit, ça c'est le meilleur truc si vous voulez avoir le teint unifié, mais qui fait pas effet plâtre, qui fait pas trop grosse couche, influencé. Donc, en passant devant Ici Paris XL, je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant. Je ne suis pas enceinte, j'ai une carence en acide folique. Et la pharmacienne vient de passer 10 minutes à me dire, oui, si vous voulez, on peut commander une autre boîte avec un autre packaging, mais bon, ce qu'on vend le plus, il y a ça, parce que quand on est enceinte, vous savez que c'est très important de se supplémenter en acide folique. J'étais là, non, mais il n'y a pas de problème, je m'en tape en fait de la boîte, j'ai juste une carence en acide folique, j'ai besoin de prendre des vitamines, il n'y a pas de problème, hein. C'était pas une annonce, désolée. Donc je disais, hyper sympa, franchement, je trouve que les dernières fois que je suis allée chez Ici Paris XL, c'est peut-être aussi parce que c'est toujours bondé au moment des fêtes, et voilà, je me doute bien que les vendeuses sont surchargées de travail, mais j'ai pas trouvé que les vendeuses étaient extrêmement sympathiques dans les dernières boutiques où j'étais allée. Et là, je passais devant en me disant, bon, c'est juste derrière la Grand Place, donc ça doit être très touristique, très très fréquenté, donc bon, je vais juste voir s'ils ont le fond de teint. Et la dame qui s'est occupée de moi était charmante. On aurait dit Jane Fonda dans Grace et Frankie. Elle était charmante et très élégante et très belle, et voilà, elle a même fait le petit test du fond de teint sur ma joue, là, pour bien voir que c'était adapté. Elle m'a mis plein d'échantillons. Dans la petite robe noire, c'était un parfum que j'avais avant. Des échantillons, voilà. Oh, la touche éclat. Et en plus, c'est pas des échantillons qu'on n'aime pas, hein. Donc, voilà, c'était très, très sympa. Si vous passez par la Grand Place et que vous passez devant Ici Paris XL, qui est donc une boutique de parfumerie slash soins slash maquillage, hein, si jamais, ben, n'hésitez pas. Elles sont très, très sympathiques. Du coup, c'était déjà un aperçu de ce que j'ai acheté. Je suis un petit peu triste. J'étais un petit peu déçue parce que je vous avais dit que j'allais juste chez Kiabi et chez Uniqlo. Et je suis rentrée chez Kiabi et honnêtement, j'ai pas trouvé ça transcendant. Je trouve que les pubs ciblées sur internet faisaient bien le job. Notamment, j'avais vu un pantalon à paillettes à 12 euros. Bon, je suis un petit peu obsédée de la paillette. Donc je m'étais dit bro. Mais bon, il n'y avait plus qu'une taille 44. Et franchement, ça aurait pu m'aller, je pense. Quand je vous disais tantôt que les tailles, c'était un petit peu dépendant de la marque. Mais je sais pas, j'aime pas. Et alors, avoir le manteau, le sac, le béret, devoir tout enlever, devoir tout remettre, tout ça pour essayer un truc. Oh my goodness. J'ai rien vu qui me transcendait dans le magasin, donc j'ai dit tant pis, je regarderai en ligne au pire. Je prendrai plusieurs tailles, je renverrai, je sais pas. Et je suis allée chez Uniqlo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pas folle la guêpe, j'avais pris un sac à dos parce que mamie Momo portait des trucs comme ça. Entre ma voiture et le magasin, il y avait 15 minutes à pied parce que autant vous dire que je ne vais pas dans le centre avec ma voiture.
Donc j'avais prévu le sac à dos pour mettre mes achats. Alors, je me suis pris un bonnet. Ça veut vraiment dire que j'ai pas de personnalité, je ne fais que copier Marielle. Sorry Marielle, hein, si tu passes par ici, mais ça fait déjà des semaines que je cherche un nouveau bonnet, et quand j'ai vu qu'elle avait parlé de ceux de chez Uniqlo, ben voilà, je me suis dirigée vers eux dans le magasin, et j'avais d'abord pris celui en cachemire, qui était très beau, très doux, et ensuite j'ai vu celui-là qui est Heat Tech, de la laine et de l'élastane. C'est quand même un bonnet en laine qui a l'air de bien tenir chaud, surtout que la technologie Heat Tech chez Uniqlo, moi j'adore. Je porte d'ailleurs un de leurs t-shirts Heat Tech aujourd'hui même, je ne porte que ça quasiment. Et après essai, je trouvais que le cachemire en fait remontait un petit peu. Vous voyez quand les bonnets font un peu un effet capote. Et il était très beau, mais je me suis dit bon, celui-là avait l'air un petit peu plus adapté à ma tête, on va dire. Bon, je sais pas si j'ai enlevé tous les morceaux de plastique. Je l'ai pris en un genre de bleu, vert, bleu, gris. Ah, je trouve qu'il me va trop bien. Vous savez, depuis que j'ai fait la colorimétrie, on est plus ou moins là, hein. Bon, je suis été, donc j'essaie de me diriger vers les couleurs de cette palette. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même un bleu. C'est quand même un bleu dans ces tons-là, je pense. Donc ça, c'est le deuxième achat que j'ai fait chez Uniqlo. C'est un pull avec un mock neck, comme on dit. Donc c'est pas tout à fait un col roulé, mais c'est pas un col normal, on va dire, comme un t-shirt. Et je trouve ça vraiment joli, parce qu'en fait, on peut le porter comme ça, ou on peut même faire le petit bord. Et la couleur, elle est magnifique. Oh, j'adore ce genre de bleu. Je trouve que c'est vraiment le genre de couleur qui me va bien. Voilà. Sans vouloir me gausser. Mais il était vraiment joli et il coûtait 35. Moi, les vêtements Uniqlo, c'est des vêtements que je garde. Je sais pas pourquoi je garde ça sous ma tête. En plus, j'entends rien du coup. C'est preuve qu'il est vraiment chaud ce bonnet. Les vêtements Uniqlo, c'est des vêtements que j'apprécie beaucoup et je trouve que leur qualité est très bien. Bah, notamment voilà, pour les vêtements e-tech, comme je vous disais. Donc là, je me suis racheté vraiment 2-3 bêtises. Mais ce pull, il était vraiment joli, je trouve. Et alors, ils ont beaucoup plus de couleurs qu'avant, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus beige, brun, noir, blanc. Et maintenant, il y a du rose, du jaune, du orange, du vert. Donc, c'est sympa. J'ai pris un t-shirt blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais je n'en avais pas. Alors ça, je vais l'ouvrir aussi, mais c'est un sous-pull Heat Tech. C'est marrant, ça n'a pas l'air d'être la même texture que mon noir. Quand je vous dis que j'ai tout de chez Uniqlo, j'adore vraiment leur vêtement Heat Tech. Il a l'air assez transparent, hein. Franchement, j'espère qu'on ne verra pas trop au travers. Enfin, vous allez me dire, c'est pas très grave, parce qu'en général, quand je mets ça, j'ai un pull aussi par-dessus ou un gilet. Mais je trouvais la couleur sympa. J'étais dans des tonalités de bleu aujourd'hui. Ça, c'est plutôt bleu gris mauve comme ça, hein. Je pense que vous arrivez à voir, malgré déjà le noir qui arrive, parce qu'il est 4h-10, n'est-ce pas? Ok, donc on est dans un camaïeu de bleu, et j'ai pris 2 paires de chaussettes thermiques, parce que j'ai commencé à suivre une fille super sympa sur YouTube qui s'appelle Raphaël, qui a la chaîne YouTube... Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, j'ai oublié, je sais que c'est mur et noisette ou noisette et églantine, je sais plus, mais c'est une fille en fait qui est minimaliste et frugaliste et donc qui fait des vidéos sur par exemple comment avoir chaud en hiver sans allumer son chauffage, c'est le genre de vidéo que j'aime bien, que je trouve sympa. Et elle parlait des chaussettes thermiques et que c'était hyper important d'avoir chaud aux extrémités, bien sûr ça a du sens, donc 2 paires de chaussettes, une noire et une grise, toute simple. Et en parlant de chaussettes, je suis passée devant Calzedonia, qui est un magasin dans lequel je ne vais pas souvent du tout, mais dont j'entends toujours beaucoup de bien pour leurs bas qui sont apparemment super. Et je suis un peu laissée emporter par l'excitation, mais je vais me racheter des chaussettes de toute façon, donc c'était l'occasion. J'avais pas prévu, mais bon. Et ils avaient une promotion, 5 paires de chaussettes pour 15 euros, peu importe le prix des chaussettes. Il y avait des chaussettes à 10 balles, donc en fait, au lieu de payer 50 euros, vous pouviez payer 15. Ça valait la peine. J'ai pris des chaussettes vertes à paillettes, noir à paillettes, léopard, des grandes chaussettes en laine, ça c'est pour chiller à la maison, bien sûr, et une paire pour mon crawler qui s'est mis au vélo depuis qu'on vit à Bruxelles et qui va au travail à vélo. Je me suis dit que dans les Christmas stockings, dans les chaussettes de Noël, ce serait sympa de lui mettre ça comme petit cadeau. Et je me suis également pris une paire de bas pour les fêtes. Est-ce qu'on dit bas? Non, est-ce qu'on dit collant? Je ne sais plus. Je sais qu'il y a un mot qui est belge, un mot qui est français. Des bas collants, des bas, je ne sais pas, à paillettes, qui m'ont l'air très jolies aussi. On verra si leur réputation est justifiée ou pas, parce que j'en ai acheté une seule paire, je pense, il y a un an ou deux, et en fait, j'avais hyper râlé parce qu'ils s'étaient filés dès la première utilisation. Mais c'était pas leur faute, j'étais à un repas où la nappe était pleine de petits sequins, et du coup, ça frottait sur mes genoux, sur mes jambes, et du coup, ça avait fait des griffes, quoi, dans les bas. C'était pas de la faute des bas, c'était vraiment la faute du sequin qui est en train d'arracher littéralement le tissu. Gina, est-ce que je te dérange? Et le dernier achat,
quand mon mari va voir ça, il va me zigouiller. Des boîtes. Je suis passée chez Flying Tiger. C'est vraiment sympa aussi ce magasin. Je sais pas si vous avez ça en France. Je pense que oui. C'est vraiment hyper chouette, je trouve, pour trouver des petits cadeaux, de la petite déco. Moi, j'ai acheté pas mal de trucs Halloween là-bas. Et il y a beaucoup de choses pour Noël. Même, voilà, des serviettes, des nappes, aussi des idées pour des petits cadeaux de Noël. Et il y avait des boîtes. Et quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher. Elles étaient à 2,50€. J'ai payé 5€ pour les deux, ça va. Voilà, maintenant je vais, je pense, me faire un petit café et surtout m'hydrater parce que j'ai beaucoup parlé. Et ensuite, à 5h, j'ai réunion de parents à l'école du petit. Et je pense qu'après, je vous retrouverai demain. J'entendais du bruit. Il faut que je vous montre. Je vais essayer de ne pas le réveiller. Il est sourd, mais il est très sensible au mouvement. Ah voilà. Coucou! Bonjour mon cœur, désolé, je voulais pas te réveiller. Ça va? Et l'autre, elle est jalouse. Couche-toi. C'est pas possible d'être jalouse comme ça, Gina. On est samedi et je suis à nouveau en plein centre de Bruxelles parce que c'est le jour où je vais faire ma petite retouche de Botox. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut en parler sur YouTube, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais j'en avais déjà fait un TikTok pour vous montrer un peu les effets. En fait, j'ai vraiment les rides du front qui sont très 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 marquées depuis toujours, depuis mon adolescence, parce que je suis très expressive, je lève beaucoup les sourcils, c'est un peu ma marque de fabrique, et j'avais envie d'un petit peu atténuer ça. Et là, ça va être la troisième fois que j'en fais, et honnêtement, elles sont déjà beaucoup moins profondes qu'avant, et c'est ça la beauté, on va dire, du Botox, c'est que c'est pas un truc qu'il faut remplir à chaque fois, ça s'atténue avec le temps, et les rides s'atténuent aussi avec le temps. Donc en fait, certaines personnes trouvent que 33 ans, 32 ans, c'est trop tôt pour commencer. En fait, c'est même un petit peu trop tard, parce que si on veut éviter l'apparition des rides, il vaudrait mieux commencer dès 25 ans, 26 ans. Voilà, vous êtes pour, vous êtes contre, chacun son avis, et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, parce que je respecte et j'entends tous les avis. Moi, je fais que ça, pour le moment. Ça me fait du bien. Franchement, quand je me réveille le matin, après une semaine, quand le Botox s'est installé, je me trouve rajeunie de 10 ans. Je trouve que c'est pas invasif et que c'est pas, voilà, c'est un petit plaisir que je me fais. Du coup, vous ne verrez pas les effets dans ce vlog, mais rendez-vous dans quelques semaines peut-être sur les réseaux sociaux pour voir que mes petites rides auront disparu. Et voilà, c'est la fin de ce weekly vlog. Vous aurez remarqué qu'il y a eu des jours où j'ai beaucoup parlé et d'autres jours pas. Après mon rendez-vous piqûre de ce matin, on est allé à Louvain-la-Neuve, au marché de Noël qui s'appelle Louvain-la-Neige. On est allé entre amis, avec nos amis qui ont des enfants aussi, donc c'était super sympa. On a bu du vin chaud, on a mangé un peu de raclette, les enfants jouaient, c'était vraiment chouette. Et voilà, maintenant, c'est le soir. On va regarder un petit dessin animé à 3. Et du coup, je clôture cette semaine avec moi, ici. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de weekly vlogs. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt.